affaire de nouveau gouvernement là, c'est chaudé. Mais quand je dis c'est chaud, c'est chaudé. C'est chaud. C'est très très chaud. Ah ouais. C'est chaudé. Et bon, la vie c'est comme ça, hein? C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, avant que je rentre dans les détails de ça là, je vais faire une petite précision ici. Cette précision c'est quoi? C'est par rapport à ma photo d'hier que j'ai pris. La photo que j'ai prise plus tôt avec le petit cireur. Beaucoup ont pensé que j'ai mis cette photo parce que je veux motiver les enfants à ne pas aller à l'école. Je veux que les enfants restent à la maison. Non. Qui vous a dit que le petit ne part pas à l'école? L'école n'a pas été mentionnée. Le but de la photo, c'est quoi? C'est que vous ne voulez pas voir là. C'est que vous ne vouliez pas entendre là. C'est ce que j'ai dit sur la photo. C'est-à-dire le titre qui est écrit là-bas, la force de ma communauté, Fulbe, c'est ce qui vous fait mal. Parce que les gens qui sont en train de mettre des commentaires négatifs, ils ne veulent pas entendre que ça, c'est la force de la communauté Fulbe. Ils se cherchent à bas âge. À bas âge, ils disent quoi? Je dois devenir quelqu'un. Je dois chercher mon avenir. Je dois nourrir ma famille. À bas âge. Donc, le but de la photo, c'est pour vous dire, pour vous montrer que quand tu regardes dans tout Conakry ici, est-ce que tu verras un sous-sous sireur? Est-ce que tu verras un maninké sireur? Est-ce que tu verras les autres sireurs? C'est eux qui ont accepté de se mettre dans cette situation pour gagner. Et aujourd'hui, voilà, ils sont les plus riches de la Guinée. Tu peux dire que qui sont les plus riches de la Guinée à part les communautés Fulbe? Quand tu parles de ça, les gens pensent que tu es en train de flatter les Fulbe. Ils ont été patients. Donc, le but de la photo, c'est pour vous rappeler qu'au lieu d'être contre eux, qu'au lieu d'être jaloux, il faut juste faire comme eux. Être patient, ne pas se presser. Nous autres sous là, quand on gagne aujourd'hui là, on mange tout aujourd'hui, on dit tinarak bekata. Nous autres là, c'est ça. Le but de la photo, c'est pour vous dire que la communauté Fulbe, sa force, c'est ça. Depuis à bas âge, déjà, ils commencent à se préparer pour son avenir à bas âge. Nous autres là, c'est quoi? C'est quoi? Si ce n'est pas pour se gâter l'un et l'autre, c'est tout. Hein? En plus, l'école que vous parlez, il n'y a pas d'école ici, ça fait 10 ans. Depuis que ce gouvernement est en place, il n'y a pas eu une année scolaire ici entière où les enfants ont étudié pleinement. Vous avez vu ça où? Est-ce que vous vivez à Conakry? Il y a quelle école ici? Moi, mes enfants, je les ai mis dans une école privée où je paye cher, très cher. Aujourd'hui, en Guinée, il n'y a pas d'école. Si tu veux que ton enfant étudie, il faut le mettre dans une école privée, pas dans les écoles publiques. J'ai fait une vidéo depuis là. J'ai signalé les écoles c'est-à-dire les écoles primaires publiques de Guinée. Quand vous allez voir cette vidéo-là, vous allez pleurer. Tellement que l'éducation guinéenne est à l'abandon, est à la rue. Où vous allez parler d'études pendant que c'est les écoles privées qui sont considérées où les enfants peuvent recevoir un peu d'enseignement. Pas totalement, hein, mais un peu d'enseignement. Maintenant, toi, tu peux me dire que le petit que j'ai pris hier sur la photo, et puis il y a des gens même qui ont demandé tu as fait quoi pour lui. Je n'ai pas besoin de venir mettre ça sur les réseaux sociaux. Ce que j'ai fait pour lui, ce que j'ai fait pour lui, ça c'est entre moi et Dieu. Mais non. Vous êtes bizarre. Le titre, c'est qui vous fait mal. Il faut bien que cela soit clair et net pour vous. Ça c'est la force de ma communauté Fulbe. Le petit que j'ai pris hier, il s'est arrêté avec moi sur la photo. Est-ce que ses parents ont les moyens de le mettre dans une école privée?
Voilà. Aujourd'hui, il y a combien de commerçants, il y a combien de milliardaires peuls qui ne connaît même pas A, qui ne connaît pas A, mais il est boss, il a tout. Il a tout. Il a tout. Kabeb, il a tout. Il faut oser le dire. Il ne faut pas qu'on se mélange des choses. C'est très, très clair. Le but de la photo, c'est pour vous montrer la force de ma communauté Fulbe. Que eux, c'est la préparation depuis à bas âge. Eux, dans la tête, il faut que je devienne quelque chose. Si tu veux, tu es content. Si tu veux, tu es fâché. Si tu veux, tant pis. Ça ne regarde que toi. L'école. Les enfants vont à l'école. Yeah. Si c'était dans un pays état normal, pas un pays abandonné par son gouvernement comme ici, tous les enfants là sont pris, ils sont dans les foyers, c'est l'État qui s'occupe d'eux, c'est l'État qui les scolarise. Mais ici, vos chefs là, qu'est-ce qu'ils font si ce n'est pas s'enrichir eux, hein? Si ce n'est pas ça. Bon, c'était ma précision par rapport à ça. Oh bon, c'est chaud, hein? C'est chaud, c'est très très chaud, hein? Pardon, je veux profiter dans ce direct là pour vous dire, les gens là, les tontons là, n'envoyez pas vos petits vers nous, hein? C'est fini. Chacun dans la vie là, a pris son chemin, le chemin qu'il a voulu prendre, chacun a pris ce chemin là. Nous, là où nous avons pris là, franchement, en âme et conscience, honnêtement, Dieu est là et le monde nous regarde. Là où on a pris là, moi là où je suis parti là, je ne peux plus quitter là-bas. Je ne peux plus abandonner là-bas pour rien au monde. Même si là-bas on va galérer, même si on n'a pas à manger, je vais rester là-bas. Si vous avez choisi le chemin pour vous enrichir pour quelque temps et que aujourd'hui vous vous sentez visé par la trahison, n'envoyez pas vos petits vers nous. Je vais vous dire ceci. N'envoyez pas vos petits vers nous. En tout cas, n'envoyez pas vos petits vers moi. Parce que ça ne va pas marcher. Je ne le dis pas pour me faire plaire. Ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. Ah, je vous ai dit une chose ici. Moi, l'argent, ça ne m'effraie pas. Je préfère aller demander à un petit ou à un truc ou à ma présidente ou à mon président que d'aller me ridiculiser. De perdre ma dignité là, je ne le ferai pas. C'est chaud. J'ai la liste du gouvernement comme beaucoup, mais la liste sûre, ce qui va sortir là, je veux pas le dire ici. C'est dommage. Vous avez creusé votre propre tombe et maintenant laissez-nous, on va vous enterrer tranquillement. C'est simple. Vous avez creusé votre propre tombe. C'est tout. Le reste là, ça ne nous regarde pas. Ne venez pas nous dire, il faut qu'on sauve la basse-côte, il faut qu'on sauve nos cadres de la basse-côte. Qu'est-ce que les cadres de la basse-côte ont fait pour la Guinée? Qu'est-ce que les cadres de la basse-côte ont fait pour les enfants de la basse-côte? Qu'est-ce que les cadres de la basse-côte ont préparé pour leur propre succession pour la basse-côte? Ce n'est pas maintenant que l'huile est sur le feu. Vous allez dire qu'il faut qu'on rassemble les enfants de la basse-côte. Les petits blogueurs de la basse-côte que vous pouvez vite faire rallier là. Ça, c'est eux là-bas. Moi, là où je suis parti là, je vais vous dire, en tant que king of the king, là où je suis parti déjà, je sais que beaucoup n'ont même pas confiance en moi là-bas. Ils pensent que c'est vous qui m'avez envoyé pour espionner là-bas pour vous. Alors, je vais prouver par A plus B, aux yeux du monde entier, que ce n'est pas ça.
que il y a les dignes fils sous-sous de la basse côte. Quand ils disent ça, c'est ça. 1.1000 tiré. N'envoyez pas vos petits vers nous. On va faire quel combat pour vous? On va faire quoi pour vous? Hein? On peut rien. On ne peut rien. Il faut accepter ça comme ça. Il faut accepter ça comme ça. C'est vous qui avez cherché ça. Hein? Vous avez été complice de beaucoup de choses pour salir beaucoup de gens, pour faire beaucoup de gens. Voici les retombées. Voilà, par la grâce, par, de grâce. De grâce, de grâce, de grâce. Hein? Maison là, on a ça. L'argent là, on gagne. Même si on n'a pas. Mais Dieu est grand, on va gagner ça. Est-ce que vous avez compris? N'envoyez pas vos petits vers moi. Je ne vais pas l'accepter et je ne l'accepterai jamais. Je ne ferai combat pour aucune personne. Que tu sois qui que ce soit. Dis, faut dire tout ce que vous voulez. On est de la même famille. On est de la même papa. Tu as trahi tes parents. Tu es rentré comme si. Tu es sorti comme ça. Tu dois défendre aussi ton ethnie. Tout le monde défend son ethnie. Si tu veux. Si tu veux. Le reste là. C'est pas mon problème. Si tu veux mettre tête de mort jusqu'à demain. Après demain. Ça c'est ton problème. Mais ce que je vais vous dire. C'est par respect. Et considération, j'ai pas affiché les messages là. Mais si vous continuez, je vais afficher les messages là. Je vais les afficher. Le monde va voir les messages là. Wallahi billahi ta'alaï. Sur le Saint-Coran, je vais afficher. Ce que vous avez cherché, ce que vous avez creusé votre propre tombe là. Je vous avais dit ici, dans une de mes vidéos. Si vous n'avez pas oublié, je vous avais dit que la bataille de Kirina de 1235, modèle 2020, est en cours. Est-ce que vous vous souvenez de cette vidéo? Je vous avais dit ça ici, que la bataille de Kirina 1235, modèle 2020, made in Guinée, c'est-à-dire, c'est quoi? L'Empire Soussou contre l'Empire Mandeng. Je vous avais dit ça, non? Actuellement, là, c'est les Karamoko qui sont riches. Les marabouts, les marabouts. Si tu connais un parent à toi, là, qui est marabout, il faut le contacter direct. Contacte-le. Parce qu'actuellement, là, les marabouts reçoivent des gros sacs de riz, des voitures, des quoi, là, des propositions, pour que les gens, il y a des gens qui veulent rester là où ils sont, pour que les gens qui veulent que les autres partent, maintenant alors là, leur président, le bas passe même dans son truc là, comment on dirait, comment je vais dire ça, son câble électrique qui est à ce couturier là-bas, il y a le bas qui passe dans tout ça là, pour que ça éteigne, c'est-à-dire, si vous voyez que ça retarde là, ça sort aujourd'hui. Ceux qui sortent, ils changent. L'autre sort, ils changent. L'autre sort, ils changent. L'autre sort, ils sortent. Ils changent. C'est-à-dire, les basses sont en train de faire la guerre entre eux. Basse, bataille de Kirina. C'est-à-dire, bataille de Kirina. L'Empire Soussou contre l'Empire Mandin. Mais je vais vous dire, ce qui est sûr et certain, l'Empire Mandeng a remporté la bataille. L'Empire Mandeng a remporté la bataille. Vous allez le voir cette semaine-là. Vous allez le voir. Hein? Vous allez le voir. Cette semaine-là, l'Empire Mandeng a remporté la bataille. Donc, si vous avez creusé votre propre tombe-là, ça, ce n'est pas de notre faute. Vous avez creusé ça, vous, tout seul. Laissez-nous. On va vous enterrer. On va assister au sacrifice, quand même. C'est pas trop. C'est-à-dire, hein, appelez tous vos parents marabouts, là. Alors, là, c'est les marabouts qui sont riches. Les marabouts. Trop de basse sur leur boss, là. Vous voyez, leur boss, le matin, quand il se réveille, là,
Il sait même pas ce qu'il doit dire. Quand c'est l'autre qui l'appelle, quand c'est l'autre qui l'appelle, quand c'est l'autre qui l'appelle, eh, bataille de Kirina là est forte. Bataille de Kirina là est forte, fort tellement. C'est pas 1235 contre Soumangourou Kanté et Sougnata Kétadé. C'est 2020, modernement, entre l'Empire Soussou et l'Empire Mandeng. Mais ce qui est sûr, clair et net, l'Empire Mandeng a remporté la victoire. Et vous allez voir, c'est pas nous, vous avez creusé ça vous seul. Donc, laissez, on va assister au sacrifice, à l'enterrement, au sacrifice quand même.